Bien, nous allons accueillir maintenant Gilbert Paquette, qui est directeur de recherche au centre LICEF de la Téléuniversité, qu'il a fondé en 1992. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en ingénierie cognitive et éducative depuis 2002. Il a reçu en 2007 un doctorat honoris causa de l'Université Marie-Pierre Curie. Ses publications incluent 4 livres sur les technologies d'apprentissage, les modélisations des connaissances, le web sémantique, l'ingénierie pédagogique et la formation à distance. Il dirige actuellement plusieurs projets de recherche sur le web sémantique, la scénarisation pédagogique et les ressources éducatives libres. Merci. Alors, merci Emmanuel. Bonjour tout le monde. Alors, je vais d'abord essayer de trouver le bouton qui permet de changer ces trucs. Ça doit être ça ici. Oui, bon, voilà. Alors, ouais, bon, parfait. Alors, voilà. Contrairement à d'autres qui sont passés avant moi, je vais prendre principalement le point de vue de l'ingénieur pédagogique en ce qui concerne le phénomène CLOM. Nous utilisons CLOM plutôt que MOOC, alors cours en ligne ouvert et massif, ou cours en ligne offert massivement. Et je vais surtout me concentrer sur la problématique de la personnalisation. Si on décide de se centrer sur l'apprenant, on doit d'abord reconnaître que la massivité des cours en ligne ouverts et massifs, leur répartition sur tous les continents, pose un problème accru d'adaptation et de personnalisation de l'apprentissage. Alors, je vais, pour en arriver à décrire différentes pistes pour arriver à cette personnalisation-là, concrètement, je vais passer par quelques éléments sur les CLOM ou les MOOC eux-mêmes, sur des modèles de formation en ligne qui sont pratiqués depuis 40 ans chez nous, en tout cas, et depuis des décades en formation à distance et en formation en ligne plus récemment, depuis l'arrivée des premiers furteurs, et surtout l'ingénierie pédagogique qui nous permet de caractériser les modèles pédagogiques. Et la question que je me pose, c'est comment faire en sorte d'améliorer, en tout cas, la personnalisation de ces environnements ouverts et massifs d'apprentissage. Alors, d'abord, quelques projets en cours à la Téléuniversité. Je vais rapidement en parler de 3 que nous poursuivons actuellement. Nous avons lancé, il y a quelques semaines seulement, le portail ULibre, qui va contenir les CLOM de la TELUC. Alors, on est très en retard, mais on n'est pas si en retard que ça, puisque ça fait 40 ans que nous faisons de la formation en ligne. Alors, donc, l'idée, c'était de dire comment réinsérer, réintroduire l'expérience TELUC, si on veut, à l'intérieur de ce concept. On le fait encore très modestement. Ce qu'on a fait dans le passé, on a développé des gestionnaires de ressources éducatives libres. On a développé des plateformes, certaines ont été utilisées à la Téléuniversité, une plateforme de recherche dont je vais parler un peu, TELOS. Les deux plateformes Explora et Concepta qui ont été utilisées pour diffuser des cours en ligne de la Téléuniversité. Et actuellement, nous avons un projet d'implantation d'une infrastructure matérielle et logicielle pour soutenir la diffusion massive des cours. Ensuite, on a travaillé beaucoup sur l'ingénierie pédagogique, alors dont les éléments principaux dont je vais parler, c'est la modélisation des connaissances et des compétences, la scénarisation et les modèles pédagogiques, et puis les modèles de diffusion. On distingue, nous, les modèles pédagogiques et les modèles de diffusion. Et ça nous mène à un troisième élément de notre activité actuelle, qui est un projet de recherche qui est financé par le CRSH, et qui vise justement à approfondir toute cette question vitale, à mon avis, comment personnaliser les CLOM.
Alors, c'est une vue du portail ULibre. Ce n'est pas très fourni encore. Il n'y a que deux cours qui sont là. Et ce qu'on a fait récemment, on a annoncé tout simplement les cours. Il y a déjà eu, en 3 semaines, 17 000 visites sur le portail. Ça nous a bien surpris. On ne pensait pas qu'il y en aurait tant, mais c'est une expérience que d'autres peuvent raconter ailleurs dans d'autres pays. Et il y a déjà 2 000 inscriptions. On ne s'en va pas vers 160 000 inscriptions, mais on s'en va peut-être vers 3 000, 4 000, 4 000 inscriptions. On a adopté un modèle assez classique. Je vais en parler un petit peu plus loin. On voulait vraiment expérimenter ce que c'est qu'un MOOC, comme a été décrit tout à l'heure, là, c'est-à-dire des séquences vidéo, des questions, de l'interaction dans les forums, quelque chose de très basique, qui est très loin des recherches là, sur les modèles pédagogiques qu'on a fait dans le passé, mais simplement pour voir quelles étaient les contraintes et comment ceci pourrait s'intégrer à la pratique de la télé-université. Ce projet-là, il doit mener à un rapport que nous allons remettre aux autorités de l'institution et qui vise à faire évoluer, dans le fond, les pratiques de la télé-université en tenant compte de ce phénomène, mais pas uniquement de ce phénomène, évidemment. Un deuxième projet est sur l'infrastructure technologique. Alors, sur l'infrastructure technologique, on recherchait une architecture ouverte, un logiciel libre, une architecture modulaire, une variété d'outils d'évaluation automatique par les pairs, et on s'intéresse à développer des outils d'outils d'évaluation, de questions ouvertes, ce qui est beaucoup plus difficile, qui implique de l'analyse textuelle dans certains cas, qu'elle était assurer une dimension sociale, intégrer un API de collecte de données d'apprentissage de façon à être capable d'améliorer les environnements et une capacité de montée en charge, c'est-à-dire d'extension progressive du nombre d'apprenants pouvant interagir ensemble sur les environnements. Et donc, de déploiement dans le nuage. Alors, on a retenu la plateforme OpenEDX. On a fait le même choix que France Université Numérique. On va y intégrer un dispositif OpenStack qui va nous permettre d'assurer une extension. Ce n'est pas particulièrement intéressant, c'est simplement qu'il nous faut une infrastructure qui puisse évoluer et qu'on puisse transformer et dans laquelle on pourra intégrer de nouveaux outils. On en a développé beaucoup à notre centre de recherche et ailleurs, et on voudrait pouvoir faire évoluer cette plateforme pour lui donner davantage de possibilités de personnalisation. Le projet de recherche, lui, vise à relever le défi donc, de la massivité versus la personnalisation. Déjà, c'est difficile dans une classe de 30 étudiants, pour ceux qui font de la formation en classe, de tenir compte de la diversité des compétences, des connaissances, des objectifs aussi des étudiants qui sont dans la classe. Alors, imaginez 2000 étudiants répartis sur tous les continents, avec des cultures différentes, qui ont chacun leurs préoccupations. Certains prennent le cours comme complément, d'autres pour d'autres raisons, pour une éventuelle certification. Il y a toutes sortes d'objectifs et de formations antérieures qui rendent les choses extrêmement difficiles. Et ça nous apparaît le principal défi si on veut pouvoir à la fois mondialiser en quelque sorte la formation, l'internationaliser et en même temps assurer une personnalisation, une adaptation à la diversité des étudiants. Donc, dans ce projet, nous allons modéliser les composants de divers types de CLOM et regarder les processus d'ingénierie pédagogique qui ont permis de les construire ou qui devraient permettre de les construire. Nous voulons faire évoluer
l'ingénierie pédagogique, pour l'enseignement à grande clientèle. Décrire et analyser les environnements personnels d'apprentissage des participants, l'usage qu'ils en font. Alors, c'est un autre objectif dont on va parler, je crois, un peu plus tard cet après-midi. Je vais en parler un peu. Analyser l'usage des compétences dans les CLOM. Alors, actuellement, ce qu'on constate dans la plupart des CLOM, c'est qu'il n'y a pas une modélisation très grande des connaissances et des compétences. Et c'est un élément tout à fait essentiel si on veut pouvoir orienter les activités des cours, mais aussi les personnaliser. Et ensuite, mettre en place une instrumentation et une méthode d'analyse des données d'apprentissage. Alors, on est au début de ça, mais on a une certaine expérience, on a des collègues qui travaillent dans le forage de données et tout ça. Donc, comment mobiliser ces dispositifs d'analytique des apprentissages au service de la personnalisation. Alors, voilà ce sur quoi nous travaillons actuellement. Je vais sauter quelques diapos parce que, si on veut garder, j'ai décidé de relever le défi de vous laisser du temps pour les questions. J'y arrive jamais, mais je vais essayer quand même. Alors, ne soyez pas surpris si j'accélère la présentation des diapos. Alors, on peut parler d'un véritable phénomène CLOM. Vous voyez la distribution, c'était il y a un an ça, en Europe. Alors, il y avait 432 mots qui avaient été recensés dans tous les pays. Et vous voyez le rythme de croissance. Les chiffres, ce n'est pas par année, c'est par mois. Alors, à chaque mois, c'est un phénomène viral qui se répand un peu partout. Et ça, c'est seulement en Europe. Et puis, un peu dans tous les sujets, dans toutes les matières, dans toutes les disciplines. Je vais passer un peu rapidement sur cette historique. Vous avez probablement déjà vu cette diapo. Ce que je vais mettre en évidence, c'est, vous voyez, la ligne Open Education, là. Je ne sais pas qui a fabriqué cette diapo, mais elle est à côté de tout le reste. Alors, c'est comme si ça n'avait rien à voir avec le phénomène CLOM ou le phénomène MOOC. Ce qui est central, on voit l'Open Université qui produit Future Learn. Et puis, le gros des troupes, ça a commencé par des MOOC, des CLOM connectivistes. Et puis, on voit tout de suite une déviation qui est devenue dominante, ce qu'on appelle les X-CLOM. Alors, les CLOM beaucoup plus transmissifs, beaucoup moins constructiviste, si on veut. Et c'est maintenant le gros des efforts se portent là-dessus. Alors, vous allez dire pourquoi vous ne continuez pas à vous intéresser à rallier la formation en ligne et puis les CLOM connectivistes. Bien, c'est parce que il faut essayer de contribuer à améliorer ce sur quoi tout le monde se concentre. Ça, c'est une opinion personnelle, mais je pense que c'est peut-être mon passage en politique qui me dit, bien, préoccupez-vous de la masse des gens. Si on fait une amélioration technologique qui nous fait reculer sur le plan pédagogique, bien, on doit d'abord s'inquiéter de cela et essayer de trouver des solutions. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne veut pas combiner les modèles de formation en ligne, c'est d'ailleurs, et les modèles connectivistes avec ceux qui sont maintenant dominants sur tous les continents. Alors, oui, le lien avec les ressources éducatives libres, je vais passer rapidement là-dessus. On a travaillé beaucoup dans ce domaine-là, on y travaille encore. On peut voir les CLOM ou les MOOC comme des extensions des ressources éducatives libres. Si on veut, ce sont des ressources éducatives libres de grande granularité. Et pour que les cours en ligne soient vraiment ouverts, il faut que les ressources qui y sont intégrées, que ce soit des activités, des scénarios, des plans de cours, des différents types de matériel pédagogique, soient vraiment ouverts. Et on a encore, après 15 ans, énormément de chemin à faire pour cela. Moi, ça fait 15 ans là, qu'on travaille au LICEF dans les ressources éducatives libres. Et encore dans l'un des deux CLOM, j'ai une collègue qui dit « Oui, je veux faire un MOOC,
mais je ne veux pas que mes ressources soient réutilisées. Et il y a encore énormément de phénomènes comme ça, mais malgré tout, les mots qu'on se cite de positif, c'est qu'elles nous mènent vers un partage plus grand des ressources pédagogiques. C'est inévitable, on ne peut pas faire de MOOC, à moins qu'on enlève le mot ouvert dans l'acronyme, sans ouvrir l'usage des ressources. Alors, il faut une gestion de ces ressources-là. Actuellement, on utilise très peu les gestionnaires de ressources dans les CLOM. Par exemple, dans la plateforme OpenEDX, il n'y a pas de gestionnaire de ressources éducatives libres, comme Orio AI en France ou Paloma Comet chez nous. Il y en a partout des gestionnaires de ressources libres. Dans Globe, qui est un consortium auquel je participe, on a un référentiel de 840 000 ressources qui sont là, absolument pas utilisées ou très peu pour la réalisation des CLOM. Alors, il faut intégrer une gestion des ressources éducatives libres et qu'on soit connectiviste, behavioriste, constructiviste, on a avantage à réutiliser les meilleures ressources, à les identifier, à les trouver, à les intégrer. Et si on réinvente la roue à chaque fois, on va avoir un recul sur le plan pédagogique. Alors, les plateformes donc doivent intégrer étroitement des outils de recherche et d'intégration de ressources. Ça, je pense, c'est un premier élément. Alors, si on essaie de faire un bilan provisoire, pourquoi les gens font-ils des CLOM, font-ils des MOOC? Bien, d'abord, c'est pour élargir la population étudiante en ligne. Il faut se dire que la croissance des CLOM est le fait principalement des universités campus. C'est pour ça que les universités à distance s'y mettent très, très peu. Ils font déjà de la formation en ligne. Alors, les modèles dominants sont colorés par le modèle de la classe en présence. Beaucoup de lecture, beaucoup de visionnement, beaucoup de transmission, le cadencement pédagogique. Alors, vous avez un cours qui commence et on vous donne, je suis en train de parler des défis. Donc, le potentiel, c'est d'élargir la population étudiante, d'étendre la formation en ligne aux universités campus, c'est les universités en face de plus en plus, donner une visibilité à l'institution. Renouveler un peu la pédagogie, le fait de passer en ligne, veut pas, il faut faire un peu de planification pédagogique. Il se peut qu'en passant en ligne, il y ait une réflexion accrue qui se fasse sur la planification pédagogique. Stimuler l'innovation en formation, par exemple l'évaluation par les pairs. Ce n'est pas encore très pratiqué, mais c'est une possibilité des plateformes de MOOC ou de CLOM. L'évaluation par les pairs, c'est un élément qui a un caractère pédagogique extrêmement intéressant. Et si on peut l'implanter correctement, on trouve des mécanismes efficaces sur le plan de l'ingénierie pédagogique, on va peut-être obtenir quelque chose qui existe dans la formation en classe, mais qui pourrait s'étendre davantage. Et puis, l'analytique des apprentissages devient possible. Alors, le fait d'avoir une grande masse d'étudiants, on peut caractériser davantage ce qui se passe et penser à améliorer nos processus, nos scénarios pédagogiques, les ressources qui sont utilisées et possiblement offrir progressivement dans un MOOC des alternatives de plus en plus grandes qui vont aider à la personnalisation. Les défis, c'est évidemment, j'en ai parlé tantôt, l'internationalisation, donc la diversité des étudiants, dont il faut quand même tenir compte. C'est seulement les étudiants qui peuvent apprendre, c'est pas les professeurs ni les concepteurs de cours. Le cadencement pédagogique, j'en ai parlé tantôt, oui, ça peut être avantageux à certains points de vue, mais dans la mesure où
on enlève la liberté du rythme d'apprentissage. L'individualisation de l'apprentissage, c'est beaucoup une question de rythme. Tous les étudiants ne sont pas prêts à changer de sujet d'une semaine à l'autre, là, comme ça, comme à l'armée. Alors, il y a un peu de ça dans les clubs. Il y a très peu d'ingénierie pédagogique qui se font. Il commence à y avoir des documents, des guides qui sortent, mais il y en a encore très peu. L'encadrement, le tutorat, le conseil est pratiquement inexistant. Donc, l'interaction des tuteurs, comme on trouve en formation en ligne, c'est à peu près impossible à implanter actuellement. Il faut trouver des modèles, des méthodes. La persistance des étudiants est extrêmement très faible, probablement à cause de tous ces facteurs-là. Et puis, il y a toute la question de l'évaluation. Là, actuellement, on émet des certificats d'attestation, mais ce n'est pas encore vraiment implanté dans la formation par crédit. Il y a des institutions qui annoncent des maîtrises ou des certificats entièrement crédités, mais ce n'est pas encore fait. Et puis, il reste à trouver un modèle d'affaires. C'est-à-dire, ça coûte quand même de l'argent à faire des clubs, mais on n'a pas encore vraiment trouvé une façon de financer ça pour qu'au-delà de l'engouement actuel, ça devienne une réalité des institutions universitaires. Alors, il faut instrumenter les acteurs de la formation. C'est notre principale préoccupation. Il y a toutes sortes de mécanismes. Je vais passer rapidement là-dessus. Je pense que vous connaissez cela. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les CLOM sont une réalité pédagogique multiple, mais qui n'épuise pas tous les possibles, loin de là. Et je vais regarder uniquement trois facteurs, les activités d'apprentissage et les ressources, les stratégies pédagogiques et les modèles de diffusion, parce qu'il y a d'autres facteurs aussi. Il me semblait qu'il y avait autre chose avant ça, c'est curieux. Bon. Ben, écoutez, on va regarder d'abord les activités et ressources. Alors, ce que je suis en train de montrer là c'est notre méthode d'ingénierie pédagogique et la classification des activités. Alors, vous avez des activités de production, où les étudiants construisent quelque chose. Vous avez des activités d'exécution, vise à produire une trace d'exécution d'un processus. Alors, les processus sont aussi des connaissances. Donc, si on veut enseigner des connaissances de type processus, ben, c'est peut-être pas mauvais de les faire exécuter de temps en temps. Des activités d'organisation, on ne va pas retrouver ça dans les XMOOC beaucoup. Des activités de collaboration, des activités visant la motivation, des activités de perception, des activités sociales et de détente, c'est important aussi, et des activités de métacognition où l'étudiant regarde ses progrès et son processus d'apprentissage. Alors, dans les X-MOOC, si on veut, ou les MOOC les plus répandus, c'est surtout des activités de consultation et de collaboration et très peu du reste. Et dans les activités connectivistes, dans les CLOM connectivistes, on ajoute des activités de métacognition et des activités, on met l'accent davantage sur les activités de collaboration. Ça, c'est le point de vue activité uniquement. Et les ressources qui vont avec, évidemment. Les stratégies pédagogiques, dans notre méthodologie d'ingénierie pédagogique, on classifie les stratégies en 5 grandes catégories, et ensuite, on subdivise ces catégories. Donc, vous avez l'apprentissage par réception et l'assistance, quand il y en a, par présentation. Alors, c'est le modèle classique des cours, on diffuse l'information et tout ça. L'apprentissage par guidage et l'apprentissage par tutorat. Alors là, on laisse un peu plus de liberté à l'apprenant, on mise davantage sur son activité. L'apprentissage par étude de cas et par l'assistance par recours à l'analogie. L'assistance peut être celle d'un tuteur ou peu importe la forme. On mise encore davantage sur l'activité de l'étudiant. L'apprentissage par induction, ou par questionnement, ce qu'on appelle souvent l'enseignement socratique.
Donc, là, on regarde des cas particuliers, on demande d'induire en quelque sorte les connaissances génériques. Et puis, vous avez l'apprentissage par construction, avec encore là une assistance méthodologique, où là, on retrouve les stratégies de résolution de problèmes ou d'apprentissage par projet. Alors, ce qu'on retrouve dans les CLOM actuellement, dans les X-CLOM, c'est surtout le modèle présentation et exercice. Alors, on a une vidéo qui, généralement, est un exposé, mais qui pourrait être autre chose aussi. Et ensuite, on a des exercices qui prennent la forme de QCM ou d'autres types d'exercices. Alors que dans l'apprentissage constructiviste, on peut s'orienter davantage sur des activités, des stratégies pédagogiques de résolution de problèmes et ou d'apprentissage par projet, par exemple. Alors, vous avez tout le reste qui est relativement peu utilisé. Je ne vous dirai pas qu'on a fait un examen encore exhaustif de tout ce qui se passe sur la planète, mais quand même, je pense qu'on peut dire ça là, sans trop caricaturer. Alors, vous voyez tout le champ libre qui reste pour améliorer le phénomène MOOC. Si on regarde maintenant les types de diffusion de la formation en ligne, alors on a bien sûr la diffusion des connaissances ou l'acquisition des connaissances en présence, dans la classe répartie. Alors là, c'est la classe par vidéoconférence qui est accessible un peu partout. Donc, on n'exige pas que les gens soient tous en même temps dans le même lieu, comme dans l'enseignement en présence. Ensuite, vous avez la formation en ligne synchrone. Donc là, tout le monde doit faire la même chose en même temps, mais on est en ligne. On est en ligne. Vous avez l'auto-formation médiatisée, vous avez la communauté d'apprentissage, la formation orientée compétences. Je n'ai pas le temps d'élaborer sur chacun de ces modèles, là, mais vous pourrez regarder la description qu'on en donne. Des systèmes informatisés d'aide à la tâche, et puis les apprentissages hybrides où on combine un petit peu tout ça. Et ce qu'on retrouve dans les CLOM, c'est surtout l'auto-formation médiatisée dans les X-CLOM. Dans les X-CLOM, il n'y a pas d'autres acteurs essentiellement que l'apprenant et parfois un animateur de communauté qui va faire fonctionner les choses et puis qui va s'occuper d'alimenter les forums, peut-être d'animer les forums. Dans les modèles connectivistes, on est davantage dans un contexte de communauté d'apprentissage. Alors, les objectifs à poursuivre, toujours dans l'optique d'une personnalisation plus grande des cours en ligne ouverts et massifs, c'est d'abord la scénarisation, donc une scénarisation ouverte utilisant des ressources éducatives libres. Si on utilise des référentiels d'éducatives libres, on peut en offrir en option. Il y en a plein sur l'Internet. Alors, il s'agit évidemment de les trouver. On espère qu'ils ont été référencés par des standards, ce qui va faciliter les choses. Et on peut davantage offrir de possibilités de personnalisation. Des services de tutorat en ligne adaptés, est-ce qu'on peut vraiment implanter ça sur des cours massifs? Il y a de la recherche à faire de ce côté-là, ce n'est pas évident. La rétention des étudiants, alors on a de très faibles taux de rétention dans les CLOM actuellement. Donc, peut-être qu'en diversifiant les activités, en améliorant la qualité des médias, en faisant une ingénierie pédagogique davantage soignée, en offrant des services conseils, différents types de services de personnalisation, on va retenir davantage les étudiants. En tout cas, c'est notre expérience à l'atelier université. La première semaine d'une formation en ligne est critique. S'il n'y a pas un tuteur à l'affût des étudiants qui sont en problème, bien, vous allez avoir des abandons. Et malgré tout, en formation à distance, le taux de rétention est quand même plus grand qu'à l'intérieur des clans. Alors, il faut regarder là, comment on pourrait intégrer ça. Et la qualité de la formation, alors la variété des activités, le choix des stratégies pédagogiques,
une scénarisation réfléchie sont extrêmement importants pour faire des plans de cours qui vont aider à la rétention des étudiants. Et puis finalement, l'évaluation, l'accréditation. Alors, on a des mécanismes d'évaluation par les pairs qui sont très peu utilisés, par les tuteurs encore moins, et on donne des attestations et encore très peu de crédits dans les cours. Et ça aussi, c'est un facteur de motivation important pour les étudiants. Alors, j'en arrive à l'ingénierie pédagogique, donc qui est un facteur clé. On vise à créer une méthode d'ingénierie pédagogique qui favorise la personnalisation des CLUM. Alors, d'abord, un CLUM, c'est un environnement informatisé d'apprentissage humain. C'est un cas particulier. Alors, souvent, quand quelque chose de nouveau arrive, les gens disent « bon, ben, c'est nouveau, c'est la toute dernière invention et on va oublier qu'il s'agit d'environnement informatique d'apprentissage humain où on a accumulé, dans tous les pays, beaucoup d'expériences. Et qu'est-ce qu'un EIH? Ben, c'est un assemblage complexe d'outils logiciels, de documents, de téléservices dans lequel divers types d'acteurs interagissent. Et un CLUM est un EIH. Donc, penser qu'on va pouvoir lancer des CLUM sans ingénierie pédagogique, ça m'apparaît extrêmement hasardeux. Donc, on a développé, ça s'est stabilisé autour de 2002, disons, il y a une dizaine d'années, là, la méthode MISA s'est stabilisée. Et notre intention est de l'adapter, de la spécialiser, parce que c'est une méthode générique, de la spécialiser au contexte des CLUM. Je ne vais pas vous parler de tout ça, mais en gros, la méthode se déploie sur un certain nombre de phases qui sont assez classiques. Là. On définit les objectifs, on fait une analyse préliminaire sur les orientations pédagogiques, sur le type de connaissances et tout ça. Ensuite, on passe à l'architecture, on fait un devis détaillé, on valide ce qu'on a fait et puis on se donne un plan de diffusion, on choisit le modèle de diffusion parmi ceux dont j'ai parlé tantôt, par exemple. Et puis, tout ça se développe à travers quatre axes, l'axe des connaissances et des compétences, l'axe pédagogique, l'axe médiatique et l'axe de diffusion. Ça donne quelque chose de relativement élaboré et complexe, mais où, essentiellement, il y a trois modèles importants dont il faut tenir compte. C'est le modèle des connaissances, la définition des compétences qui donne des objectifs au cours et le modèle pédagogique où on définit les scénarios. Alors, je passe rapidement... Je vais passer rapidement là, sur les détails. Actuellement, en France, on a deux documents qui sont, je dirais, des guides pour l'élaboration des MOOC et qui, disons, sont à un niveau de complexité à l'autre bout du spectre, disons, mais qui sont extrêmement intéressants à regarder. Et notre préoccupation, c'est de trouver un moyen terme là, qui tient compte de toute l'expérience qui a été accumulée en ingénierie pédagogique, mais qui tient compte également de ces éléments clés qui ont été identifiés dans ces deux documents-là que vous retrouverez sur le web facilement, et où on dit, bien, essentiellement, il y a cinq axes. Alors, il y a des objectifs, il y a un public cible. Allez caractériser le public cible quand vous avez 50 000 étudiants répartis sur les différents continents. Ce n'est pas évident, mais il faut quand même le savoir qui est-ce qu'on vise. Alors, nous, dans nos MOOC, on a visé la francophonie. Déjà, le niveau de complexité est un peu plus restreint, mais là-dedans, il y a des gens en Europe, il y a des gens au Maghreb, il y a des gens en Afrique subsaharienne, et il y a des gens au Québec, évidemment, et dans le reste du Canada. Alors, les types de ressources, les types d'activités et le degré de contraintes qu'on veut mettre, contraintes de temps, contraintes de... d'enchaînement des modules et des activités.
Alors, bon, notre intuition, c'est qu'il faut regarder beaucoup plus que ça, mais pas tout ce qu'on regarde dans une méthode générique comme MISA, et en tenant compte de la réalité des MOOC qui sont diffusés actuellement. Alors, je passe là-dessus aussi. Alors, ça, peut-être, si vous pouvez grossir, je ne sais pas comment on fait. Bon. Ça, c'est un vocabulaire pour la scénarisation pédagogique qui est un élément central. C'est un vocabulaire RDF qu'on a développé dans un projet et qui vous montre un petit peu les différentes dimensions d'un scénario pédagogique. Alors, il y a évidemment les activités pédagogiques, les acteurs, les ressources pédagogiques qu'on va intégrer, la stratégie cognitive, que sont les connaissances, les types de connaissances qu'on vise, la stratégie pédagogique, le mode de collaboration, le mode de diffusion, le mode d'évaluation, les critères de réutilisabilité du scénario, le format du scénario, les publics cibles, c'est un peu tout ça. Et ce sont des éléments centraux, je pense, qu'on doit considérer lorsqu'il s'agit d'élaborer un nouveau cours en ligne. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. Si vous avez des questions, c'est une vue d'un modèle de connaissance auquel on branche des compétences visées, qui sont les objectifs. Et c'est ça qu'on vise à réintroduire dans les CLOM. Les différentes formes qui sont là, c'est différents types de connaissances. Alors, vous avez des connaissances procédurales, conceptuelles, des connaissances stratégiques. Et celles qui sont enfoncées sont les connaissances prioritaires d'un cours. Et ce sont ces connaissances prioritaires sur lesquelles on va brancher des énoncés de compétences. Alors ça, c'est le début d'une ingénierie pédagogique, si vous voulez. Alors, différentes compétences visées. Et puis après, on va rassembler tout ça dans un scénario global. Donc, ici, il y a, 10 modules qui ont été retenus. Et vous voyez les petits C1 et C2, ce sont les compétences ont été réparties entre les modules. Donc, on sait ce qu'on vise comme apprentissage. Là, vous allez dire, c'est terriblement transmissif, ça. Je vois ma collègue France-Henri qui va me dire ça. Et je pense que ici, ça ne dit pas qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur des modules. Alors, je pense qu'il faut associer quand même si on est connectiviste, il faut associer des compétences aux modules. Et après, dans la scénarisation, là, c'est autre chose. Alors, on peut faire différentes choses. Alors, on peut faire un modèle assez classique comme celui-ci. Je suis à l'intérieur d'un module. J'ai des règles d'adaptation, de collaboration, d'évaluation, des règles de démarche. Je ne suis pas obligé d'avoir une démarche très policée. Je peux avoir une démarche très ouverte. Mais ici, il y a une séquence d'activités, mais ce n'est pas nécessairement une séquence. Il n'y a pas de lien de précédence entre les petits ronds verts. Et là, il n'y a pas de séquence. Ça veut dire que c'est un modèle de cafétéria. C'est-à-dire, vous prenez les activités dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas de lien de précédence. Alors, c'est pas un XMOOC classique là, qui est là. Si on mettait des liens de précédence, on serait un peu plus proche. Vous voyez? Alors, ça fait partie du modèle pédagogique. Je vous passe le modèle de diffusion et j'en arrive à la personnalisation. Cinq pistes, si vous voulez, ou cinq questions à approfondir. D'abord, soutenir les concepteurs de CLOM pour la personnalisation. Actuellement, si on ne donne pas aux concepteurs de CLOM certains éléments d'ingénierie pédagogique, ça ne va pas se faire. Donc, ça, c'est un premier élément. Adapter un scénario X-CLOM, je vais donner un exemple. Intégrer une assistance épiphyte, c'est un terme qu'on a inventé il y a longtemps, soit humaine ou automatisée ou semi-automatisée. Offrir des environnements personnels d'apprentissage. Prévoir des options avec ou sans personnalisation au niveau du modèle de diffusion. Alors, tout ça vise à personnaliser davantage, pas parfaitement, mais davantage que maintenant. Alors, je prends le premier cas.
Donc, pour soutenir les concepteurs, bien, fournir une méthode adaptée, une méthode d'ingénierie pédagogique, fournir une classification des CLOM aussi pour que les gens voient qu'il y a plusieurs options, il n'y a pas un seul modèle possible. Donner une méthode de construction des trois modèles, modèle de connaissance, modèle de l'apprenant, c'est-à-dire modèle des compétences visées ou compétences seuil, et le modèle pédagogique. Et donner un support à l'intégration des activités et des ressources. Et puis, fournir une méthode et des outils d'assistance à la conception. C'est une façon d'aider à la personnalisation. Une autre piste, c'est d'adapter un scénario XCLOM. Alors, par exemple, ajouter un module de classification des apprenants au début pour réduire la complexité. Et si vous avez un CLOM de 4000 apprenants, ben, peut-être faire 5 groupes de 800. Déjà, c'est beaucoup. Peut-être caractériser davantage. Prévoir des options dans le scénario. Et puis, se baser sur une évaluation des compétences actuelles et visées. Alors là, il faudrait grossir, c'est un petit peu difficile à lire, mais essentiellement, ce que dit le schéma ici, c'est que il y a un animateur de communauté qui envoie un courriel, mais avant ça, il a obtenu du concepteur du cours un énoncé des compétences basé sur possiblement un modèle de connaissances. Et ce profil de compétences permet de générer un questionnaire qui va permettre aux étudiants d'évaluer leurs propres compétences. Alors, c'est... je ne sais pas si on peut pointer avec ça. Au centre, peut-être? Non. Donc, ça, c'est l'activité de droite. Celle de gauche, l'étudiant consulte un certain nombre de documents sur le sujet du cours et il répond à un questionnaire. Dans la ligne du centre, les étudiants se co-évaluent. Il y a de l'évaluation par les pairs. Ils produisent quelque chose et il y a évaluation par les pairs. Donc, voilà trois modèles, trois façons d'évaluer les compétences d'entrée des étudiants, de façon à ensuite automatiser la classification à partir de ces données-là. C'est quelque chose qu'on peut implanter. On ne l'a pas encore fait, mais c'est une façon de réduire la complexité. Et une fois que c'est fait, ben, là, on peut avoir prévu différents scénarios pédagogiques, si vous voulez, différents plans de cours. Une autre piste pour la personnalisation, c'est l'intégration d'une assistance épiphyte au scénario, donc l'insertion d'agents conseillers uniquement aux modules et aux activités critiques et définie par des règles qui consultent les compétences de l'apprenant. Donc, à ce moment-là, l'assistance va être différente, même si on a le même scénario, l'assistance va être différente. Donc, ici, on a un exemple, je n'entrerai pas dans les détails, mais on a un système qui fait cela actuellement. Il est loin d'être utilisable massivement, mais il est opérationnel. Alors, par exemple, ici, vous avez à l'écran un des agents d'assistance pour un des modules ou une des activités qui offre trois types de conseils, donc des recommandations, des notifications à un enseignant ou un tuteur ou un animateur de communauté, et puis une mise à jour des compétences de l'apprenant. Si l'apprenant a réussi à produire dans une activité quelque chose, on va lui ajuster ses compétences actuelles en route vers les compétences visées par la formation. Alors, c'est des choses qu'on fait sur le plan recherche depuis longtemps, mais qu'il faudrait arriver à rendre plus facilement utilisable. Et par exemple, si je prends le premier, alors c'est une recommandation directe à l'apprenant qui a été planifiée dans cet outil et qui va tout simplement lui donner un message ou possiblement une ressource à consulter qui va l'aider à acquérir les compétences.
Alors, par exemple, si on dit nous suggérons de retravailler le tableau des planètes, qui était une activité, et vous n'avez pas tout à fait réussi l'activité. Et puis, on pourrait ajouter une ressource. On peut aussi notifier l'enseignant ou le tuteur ou l'animateur de communauté. Alors, on dit l'étudiant, un tel a beaucoup de difficultés avec cette activité. Cela requiert votre intervention. Vous pourriez lui proposer de consulter la ressource suivante. Et là, il y a un lien à la ressource. Et puis, la ressource s'affiche et libre à l'enseignant de l'envoyer par courriel à ses étudiants. Donc, on insère ainsi l'enseignant ou l'animateur de côté dans la boucle. Offrir des environnements participatifs ouverts. Alors, il y a un exposé un peu plus tard là-dessus. Moi, je trouve que c'est un élément important. Donc, ce sont des... Comment je les définis? Ce sont des environnements informatiques d'apprentissage humain dont la conception se continue après leur premier déploiement par les apprenants eux-mêmes. D'autres pourraient avoir d'autres définitions, mais je vous offre celle-là. Ce sont des environnements qui combinent un apprentissage de ressources éducatives libres propres au cours et un environnement personnel d'apprentissage propre à l'étudiant. Donc, un ensemencement du CLOM. Donc, il y a un ensemencement au début, mais ensuite, ça évolue un peu à la manière d'un CLOM connectiviste, possiblement. Créer, façonner à travers la collaboration des utilisateurs utilisant les outils du Web 2.0, favorisant un apprentissage émergent plutôt qu'entièrement déterminé par le concepteur, c'est une autre caractéristique, et nécessitant une ingénierie pédagogique partagée entre professeurs concepteurs qui ont conçu le cours initialement et les apprenants. Ce partage est particulièrement évident, par exemple, dans une stratégie d'enseignement par projet. Alors, quand on fait un cours par projet, ben, on va donner des objectifs au projet, on va mettre des ressources dans l'environnement, et puis ben, les étudiants travaillent le projet, puis, dans le fond, définissent en partie leur propre scénario et le font évoluer. Alors, il n'y a rien de très, très nouveau là-dedans. Mais disons qu'on est très proche là, de CLOM connectiviste. Je passe par-dessus ça. C'est l'intégration dans un environnement personnel d'apprentissage de différents outils de Web 2.0 qu'on peut classifier. Et puis ici, autre élément, autre façon de personnaliser, un modèle de diffusion CLOM générique. Alors, ça, c'est un vieux modèle de campus virtuel qu'on a fait il y a longtemps, au début du centre de recherche LICEF, mais qui peut rendre service ici. En ce sens que vous avez défini le modèle de connaissances, le modèle de compétences, vous avez fait votre scénarisation pédagogique, mais là, reste à se demander ben, comment on structure l'environnement, comment on l'organise pour que les gens puissent y travailler. Alors, on voit 5 espaces ici. Donc, il y a un espace d'autogestion. Cet espace d'autogestion contient le contenu du scénario, prescrit ou évolutif, et les moyens de le gérer. Alors, il faut qu'il y ait des outils pour gérer le scénario, là. Ça, c'est important. Ensuite, vous avez l'espace d'information. Ça regroupe tous les documents, outils de recherche, les liens aux experts de contenu, tout ce qui est davantage transmissif. Ça ressemble beaucoup aux abominables lectures. I'm pointing at a colleague here. Mais c'est un ingrédient que vous ne voudrez sûrement pas mettre de côté totalement. Alors, je pense qu'il faut en mettre un peu, beaucoup, passionnément, ou pas du tout. Mais pas du tout peut être risqué. Ensuite, l'espace de production qui regroupe les outils permettant aux apprenants de réaliser des travaux, de produire quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on construit beaucoup ces connaissances et en même temps les processus qui permettent de créer les connaissances, les deux, en même temps. Vous avez l'espace de collaboration, donc c'est les outils de communication et d'interaction sociale, à moins que vous vouliez faire des... uniquement un modèle d'apprentissage d'auto-apprentissage, dans le fond.
comme beaucoup de clubs. Et puis, vous avez l'espace d'assistance qui regroupe les conseils, les liens aux facilitateurs, les agents conseillers. Un peu, il y a différents mécanismes, différentes façons de faire. Ça peut être tout simplement une liste à faire, ça peut être un texte, tout simplement, comme ça peut être des agents plus ou moins intelligents qui vont interagir avec, avec les apprenants. Et puis, finalement, là, j'en arrive au modèle d'affaires. Je ne vais pas élaborer beaucoup là-dessus, mais nous, une des préoccupations que nous avons, c'est qu'au départ, un CLOM doit être à accès libre, sans frais. Ça, c'est, sans ça, ce n'est pas un CLOM. Bon. Maintenant, ça implique une évaluation automatisée intégrée au cours. Si on veut émettre autre chose que des certificats de participation, si on veut pouvoir dire que l'apprenant a réussi, ben, il faudra mettre un mécanisme qui va permettre de le faire, pas uniquement de s'assurer que l'étudiant a fait telle, telle activité, mais bon. Alors là, on n'a pas beaucoup de personnalisation là-dedans, à moins que le scénario pédagogique, évidemment, ait été fait en fonction de ça, mais dans la plupart des XCLOM, il n'y a pas beaucoup de personnalisation là-dedans. Alors, si on veut avoir plus de personnalisation, bien, on va ajouter des services d'assistance, comme la formation en ligne, non seulement une évaluation automatisée, mais des tests et corrigés, des conseils par tuteur et un peu tout ça. Et il y a un coût à ça qu'il s'agit d'évaluer. J'ai mis un chiffre, on ne l'a pas évalué encore. Mais disons, là, c'est un mix du modèle CLOM et du modèle de formation à distance ou de formation en ligne que pratiquent les universités à distance. Et puis, si vous voulez vraiment créditer les CLOM, ben là, il faut ajouter un mécanisme d'évaluation un peu plus sérieux et forcément plus coûteux. Alors, c'est un peu ça. C'est une autre façon d'aller vers la personnalisation, c'est en ajoutant des services qui vont permettre de passer d'un CLOM totalement gratuit à un CLOM pas trop cher, mais qui donne des services de personnalisation et de certification. Alors voilà, je termine là-dessus. Le phénomène CLOM est extrêmement intéressant parce qu'il nous amène à nous poser de nouvelles questions. Et il amène aussi les enseignants qui le pratiquent, en sortant de la classe, à se dire, ben là, oui, mais là, mes étudiants ne sont plus devant moi. Je vais faire comment? Et ça amène forcément une réflexion pédagogique. Soyons optimistes, qui va être là de plus en plus à mesure qu'on va progresser. Alors, je vous remercie. Thank you very much for your very wonderful presentation. And I agree with you that MOOCs are a work in progress. Yes. And needs lots of more work to become mature and really useful. Let me just suggest a way of thinking about this. About 100 years ago, Henry Ford opened his mass production place in Michigan to create Model T Fords. And he said, you can have any color as long as it's black. Frederick Taylor made Taylorism, which it gave rise to industrial engineering, popular at that time and influenced greatly the mass production design. So we have weapons of mass production. We have, as we heard yesterday, weapons of mass instruction. MOOCs are weapons of mass instruction. Now, to me, the MOOC has been conceptualized all wrong in the sense that it is a internet-based version of a course on campus. Yeah, and the course sure. on campus is you have all these widgets in progress, namely the students, and they're all getting the same stuff at the same pace and must learn exactly the same material. Anyone who goes to a mall to go shopping for clothes or whatever else, no two people do the same thing, because no two people need the same thing at the mall. No two learners need exactly the same material in calculus, physics, biology, or whatever it is.
So the problem with MOOCs, in my view, is that we're taking that Tayloristic manufacturing approach, which makes it very efficient for us on campus to deliver the same content to 30 people, 300 people, however many it is, and put it out on the web. Well, with the web, with all the tools you're talking about and all the modifications you're talking about, a student studying biology needs to know a different kind of calculus than a student studying physics. So the personalization you talk about, in my mind, should be not only pedagogical and all these other issues you're talking about, but also content related. And yes. No two students need to learn exactly the same thing. So I'd like to hear your comments on that. Yes, I think I agree totally with what you're saying. That was that when I presented the slide on the history, I saw that there was a bifurcation where people were starting with the connectivist mood, separate from traditional online learning, which there are a variety of models, and then move to exactly what you said, a kind of Taylorist application or scenarios. And this is what we have to change. The problem is everybody are building MOOCs and without doing any instructional engineering, considering a variety of models. And if they don't, well, they will not be able to see what can be improved in the Taylorist model that's dominant right now. Still, is it better than what they are doing in the classroom? A little bit. So I think that what we need to do is to start proposing models, implementing models, and the difficulty is that the tools are not there yet. We have to build tools also and integrate that into platforms so that when it's available, people will make it easier to have courses that are adapted to learner. And it's true, they have to be adapted for the content, but not the knowledge, but not only the knowledge, the competency. For us, a competency is what kind of abilities can you do for a certain competence with a certain level of performance. And that's why I insist that a knowledge model is built, which is the subject of the course, but the competency are target competency. And you must evaluate the actual competency of the learner. How are they about, for example, differential calculus, a certain aspect of it, and where are they now compared to the goal that is pursued by the course. Still, this is one way to think about it. Another way is to say, well, let's not be too specific about these competency. Let's ask the learner at the beginning what kind of competency they would like to achieve. Give them a start, and this is even more difficult to achieve. I've participated in one connectivist or intended connectivist MOOC, and you had the effect that Nicolas was talking before, lost in the mass of information messages that everybody is sending, and then you don't know where you're going and where you should go. And finally, what happened in this was 30 people finally decided that they would like to interact with other, making sense of all the massive noise that was around them. And that's the condition. So we have to take care of this also. Yes? Yes. Eric? Deux questions. Oui. La première,
sur le contrôle de l'apprentissage. Est-ce qu'on peut et jusqu'à quel point faut-il contrôler l'apprentissage et quel est l'effet de ce contrôle? Ou est-ce que le contrôle peut être plus assuré par l'apprenant ou d'autres? Et la deuxième question, en fait, on a lié beaucoup la formation et l'évaluation. C'est un peu dans le discours de Nicolas. On pourrait aussi penser qu'elles peuvent être totalement découplées et que tu as des environnements de formation et de l'autre côté, ailleurs, autrement, tu as des environnements de certification, etc., qui peuvent être complètement séparés. Oui. Et on peut les penser complètement séparément. Oui. Et ça change après les positions. Oui, tout à fait. Parce que c'est lié à la question de l'évaluation. Si on est en train de faire un cours, comme on a fait déjà, nous, pour la préparation des avocats à l'examen du barreau, ils veulent avoir des objectifs précis et puis des ressources précises pour pouvoir réussir l'examen. Alors que dans d'autres cours, si c'est des cours par crédit, il va y avoir beaucoup plus de contrôle. Si c'est des cours totalement libres, disons, de culture personnelle que les gens prennent sur le web, qui sont tout simplement plus organisés que toutes les ressources qu'on peut rechercher dans Google ou avec un moteur de recherche, et qu'on a tout simplement fait un effort de structurer les activités, les ressources de façon intéressante, il faut garder cet espace de liberté. Mais au-delà de tout ça, il faut de la liberté pour apprendre. S'il y a trop de contrôle, les gens n'apprendront pas grand-chose. Ils vont apprendre à répéter ce qu'on veut bien qu'ils répètent pour passer un examen. Alors, je pense qu'il faut de la liberté pour apprendre. Mais jusqu'à maintenant, le mouvement MOOC est marqué par le contrôle. C'est-à-dire que l'enseignant qui enseignait en classe se dit, ils ne sont plus devant moi, donc il faut que je contrôle. De la même façon que nos administrateurs aiment bien contrôler les professeurs, quand ils feraient quelque chose qui ne correspondrait pas à leur vision et tout ça. Alors, je pense qu'il faut, apprendre à mettre de la liberté dans nos environnements aussi. Mais encore là, ça demande des méthodes, des outils, c'est encore plus exigeant. Merci.